Salut les Japanimévores. J'espère que vous allez bien, salut Fabien. Oui. Ça va? Ça va et toi? Nickel. Donc je te retrouve dans un bacaste mini pour parler encore Leiji Matsumoto. Tiens. Puisque on va vous parler du manga Captain Al Albator, Dimension Voyage. Je le dirai en français, avec l'accent français pour pas faire de... C'est un peu la nouvelle mouture du personnage de Harlock. Exactement, donc en fait c'est écrit par Leiji Matsumoto himself, mais au dessin on a donc Kouichi Shimaboshi qui nous propose quelque chose d'assez nouveau. Hein. Par contre en termes d'histoire, c'est vraiment un remake de la toute première saga du manga original de Matsumoto, c'est-à-dire qu'il y a la sphère des Sylvie, donc les Amazone, qui est sur la Terre, il y a Albator qui est vu comme un pirate, la Terre qui est dans l'oisiveté, où que seuls les militaires ne comprennent pas pourquoi ils se battent, mais ils doivent quand même défendre ces humains complètement fainéants. Voilà, on est vraiment dans un remake bête et méchant, mais plus actuel, c'est-à-dire avec plus de personnages, plus dynamique. Du coup, tu as eu un petit peu... Oui, j'ai eu le temps de le parcourir, je trouvais ça assez intéressant dans la mesure où retrouver cette histoire connue avec un graphisme récent, puisque le dessinateur trouve un bon compromis entre les formes de Matsumoto et un design un petit peu... Les formes, ouais. Ouais, tout à fait. Des fois, c'est plus Matsumoto, des fois, c'est plus un design... un design récent, on va dire, dès qu'il s'agit de dessiner des jeunes filles, on va dire, bien foutues, bah, on revient dans quelque chose d'assez contemporain, mais bon, dès qu'on a des personnages à la Toshiro, ou même un personnage comme Albator, on reste dans le respect, dans le canon graphique de Matsumoto, même, comment elle s'appelle là, Emeraldas, elle reste quand même très classique à l'imagerie. Qu'est-ce que t'as pas fait? Et je trouve que c'est même le meilleur perso dessiné de ce manga. Qu'est-ce que j'ai pas fait? T'as spoilé? Oui, messieurs dames, il y a Emeraldas dedans. En fait, il y a un petit peu un surplus de personnages parce qu'il veut en balancer pas mal, effectivement. Et du coup, vous avez une planche. Bah, vous verrez vous qui lirez le manga, qui a pris attractif pour le premier tome. Il y a un plan sur le fessier d'Emeraldas qui est clairement original. Il y a un défaut dans le dessin en général, c'est que vraiment les plans spatiaux sont pas top, quoi. C'est vrai, tu trouves? Je trouve que il n'y a pas cette espèce de folie, de détail qu'il y avait chez Matsumoto. Je suis peut-être un peu dur, mais je trouve que bon, bah, on passe beaucoup de temps dans les intérieurs, voilà, c'est très ambiance intérieure. Il y a très peu de trucs spatiaux, hein, je trouve. Mais donc, tu vois, le truc que j'adore moi dans les dessins de Matsumoto, c'est tout ce qui est méca, vaisseau, et puis l'espace aussi. Je trouve qu'il assure vraiment. Les postes de contrôle aussi, les cockpits, les postes de contrôle, ouais, tout ça. J'adore. Et puis c'est vrai que lui, il est plus parti sur un délire. On va montrer les personnages à fond. Très proche des persos. Exactement. Et il a un style que j'aime bien, un style graphique, pas le dessin en lui-même, mais la technique. Oui. Vraiment, c'est très moderne, c'est très beau, c'est même assez impressionnant pour un premier manga, parce qu'il faut savoir que c'est un poulain de Matsumoto, en fait, qui a été révélé par Matsumoto. Par contre, le problème, c'est que justement, c'est un poulain de Matsumoto, c'est-à-dire que... tu l'as dit toi-même, des fois il y a son style qui transparaît avec les femmes, des belles plantes, voilà. C'est le compromis à tout moment. Mais souvent on revient sur un style Matsumoto et tu te dis mais mince, il est bridé entre son potentiel et ce que lui impose graphiquement Matsumoto. Il y a un cahier des charges de l'univers Matsumoto à respecter, et le cahier des charges passe fatalement par le graphisme. Bah ouais, mais moi quand je vois des plans qui sont beaucoup plus modernes, beaucoup plus classe, ouais, même des mecs, j'aime bien les contre-plongées, enfin ils s'éclatent vraiment, avec les flous, des belles trames et tout, c'est génial, mais j'aurais bien aimé voir un manga du mec, quoi. C'est un Albator, avec un autre design comme ils avaient fait pour Last Canvas, pour Saint Seiya, ou même l'épisode G de Saint Seiya, tu vois. Kuromada, il était derrière Last Canvas, mais pourtant le design n'avait rien. Qu'on casse la tradition pour un... Exactement. Et là, je trouve qu'il y a limite trop de respect. Alors déjà que c'est une histoire qu'on connaît. Si en plus tu revois le même graphisme, c'est un peu lourd. Exactement. Alors par contre, c'est le même graphisme, mais bien sûr... upgradé, si je peux le dire, c'est que c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus fouillé. Généralement, Leiji Matsumoto, il était plutôt dans l'économie, dans le dessin. Voilà, exactement. Bah, c'était à l'époque. À l'époque, il faut se dire que le manga, dans les années 60-70, même avant, c'était à jeter à la poubelle une fois qu'on l'avait consommé dans le magazine. Et là, on sent quand même que c'est beaucoup plus fouillé. J'ai envie de dire que ça fait un petit peu... artwork. Mmh. Oui, vrai, bien sûr. C'est assez magnifique. C'est artwork entre un jeune auteur et une histoire de Matsumoto. Donc moi, je peux que vous le conseiller, c'est du Matsumoto. Donc le fan qui est en moi a complètement buté l'objectivité. Ce qui est cool, c'est que Kana continue d'assurer toute cette franchise, d'assurer tout cet univers, de développer aussi bien les trucs récents que les trucs vintage, et de vraiment de proposer le Matsumotoverse sous toutes ses formes. Alors il n'y a plus que Kana, maintenant il va y avoir Black Box aussi qui va proposer pas mal de mangas de Leiji Matsumoto. Enfin, ça me fait quand même plaisir de voir ça, enfin de lire ça. Après je me dis que c'est pas ce qui va transcender le concept même de l'univers de Matsumoto. Je pense qu'il y a beaucoup de fans qui vont voir ça, se dire bon oui effectivement ça m'apporte pas grand chose à part de jolies images, et encore il faut adhérer au principe que parfois il est même plus longiligne ou plus maigrelé au niveau des personnages que Matsumoto, donc il faut le faire. Il faut voir pour les plus jeunes. Et voilà. Ça se sent que c'est... une porte d'accès pour les plus jeunes. Ça sent que c'est exactement ça, c'est pour les ados de maintenant qui connaissent ça, pas forcément. On leur donne de quoi redécouvrir le personnage, surtout qu'il faut le dire, le style Matsumoto, bah, c'est difficilement accessible pour les plus jeunes. Tout à fait. Il faut peut-être t'amener d'une quelconque façon que ce soit vers le style Matsumoto. Bien sûr. Et peut-être que c'est ce qu'il cherchait à faire. Je suis d'accord. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Moi, je vous le recommanderais toujours, surtout que c'est un petit manga, il se lit très vite et... Ouais, voilà, vous avez quoi croquer en termes de visuel, surtout l'iconographie, elle marche bien, quoi. Le mec, il sait qu'il faut faire des plans iconiques, donc il a fait quand même son job. C'est une lecture sympa. Ouais. Allez, salut à tous, ciao, ciao.